Attendez qu'on arrive. À vos ordres. Capitaine, ici Farah. C'est l'heure. Reçu. Atterrissage dans une minute. L'équipe au sol. Bien sûr. Faisons le ménage et récupérons la Zouel. Hé, vieil ami ! Ah ! Merci d'être là ! On a un ennemi en commun. Et un ami qui a besoin d'aide. Prête ? Affirmatif. Allez, on y va ! À toutes les unités ! On se met en mouvement ! On décolle. On est en position. Recevez. Affirmatif. Oui. 5 sur 5. À toutes les unités. Le convoi d'Alcatala vient de passer. On est juste derrière. Compris. Nick, utilise le ravin pour te mettre à couvert. Si on veut sauver la Zouel, on n'a pas le droit à l'erreur. Merci. Elle est dans quel véhicule? Alcatala la transporte dans le SUV noir, en tête du convoi. D'abord, on neutralise les véhicules qui l'escortent. Ensuite, on sécurise la Zouel avant qu'Alcatala atteigne la frontière. Regardez où vous tirez. Il y a des civils sur la route. Capitaine, on est à portée. À toutes les unités, feu à volonté. Soldats, allez-y. Ça, on est là maintenant. Bien reçu, Gaz. Continuez sur le ménage et rattrapez la Zouel.
éclaireur le signale un barrage ennemi un peu plus loin. Affirmatif, je le vois. Tu vas probablement devoir foncer dans le tas. Fonce, usa le plus possible. Choc et froid. Pas aujourd'hui, les gars. Nick, je suis passé. Bien fait, sergent. Attention, il y a un problème plus loin. C'est quoi ce bordel? Al-Qatala déploie des mines sur la route. Ce sont des civils, Nick. Al-Qatala brûlera pour ça. Je fournirai les allumettes. Des mines, attention, sergent! D'où sortent ces mines? Un peu plus loin! Quelle est la situation? Attention, ne tirez pas, sergent. Je suis dans le camion derrière vous, je vais bientôt vous dépasser. On vient de passer le barrage. Gaz! Capitaine! Al-Qatala fait venir des renforts. Vous allez avoir besoin de plus de puissance de feu. Montez, sergent, allez! Content de voir que vous allez bien. Prenez le lance-grenade. Comatos, capitaine. Quelle est la situation? On se rapproche de la Zouel, alors ils changent de stratégie. Comment ça? Jusque-là, c'est nous qui les pourchassions. Maintenant, c'est à leur tour. Qu'ils essaient, capitaine. On saura les recevoir. Attention derrière. C'est Farah. On est tous là. Finissons-en. Capitaine, Al-Qatala revient vers nous. Ils vont essayer de nous encercler. Pas si on peut les en empêcher. Les voilà à part! Gaz, attaquez-les au lanceur! Compris! On le but! Dans le vide! Gravité! Bien joué, Gaz! Capitaine, le convoi vise à gauche. Ils prennent un raccourci pour rejoindre la frontière. Retenez, ne perds pas les yeux! Attention, derrière! Neutralisez-les! Farah, t'éloigne pas! Derrière. Nick, t'as un visuel sur le véhicule de Laswell? Affirmatif, capitaine. Mais toute une colonne d'ennemis vous sépare. C'est pas ça qui nous arrêtera. Ne la perds pas de vue, Nick. Terminé. Laswell sera gardée par les meilleurs soldats d'Al-Qatala. On s'en approche. Il faut qu'on se disperse. Gaz, sécurisez un véhicule. On va les attaquer de tous les côtés possibles. Attention, véhicule de transport de troupes ennemies. On n'a pas assez de puissance de feu pour neutraliser ce véhicule de transport de troupes. Rapproche-toi. À ton signal, je ferai diversion pour que tu puisses monter à bord. Compris. Gaz, ne restez pas à portée de tir. Sergent, rapproche-toi du véhicule de
Je suis en position. Maintenant, sergent. Ok, je suis prêt. Oh, posez une charge et dégagez de là, sergent. Charge en place. À gauche, sautez. Attention, vous tirez. La Swell et Nikolai sont devant nous. Compris. De famille. Comment manquer ça? Farah. Bien exécuté, Laswell. Et vous? Vous tous? On est à Almazra. Faut se mettre en lieu sûr. Et vite! Bien d'accord. On repasse la frontière. Je prends la tête. Suivez-moi! Merci, Farah. Je vous devais bien ça. Non, c'était plutôt l'inverse. On est quitte, alors. Que la chance nous sourie à tous. À bientôt, capitaine. En selle, soldat, on s'en va. Kate, je suis désolé, je pouvais pas... John, sérieux. Non, c'est ma faute, j'aurais jamais dû les laisser. Arrêtez ça, je vais bien. Ok. C'est pas le plus important. Les missiles n'étaient pas en Espagne, seulement les systèmes de guidage. Les systèmes de guidage? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Les Russes. Ils sont où maintenant? Sur les missiles. Et mis à part Hassan, il n'y a qu'une seule personne qui sait où les trouver. La Casa de Sinombre? Non. Un mauvais lugar, tenientes. Un lieutenant du cartel. Órale, güey. ¿Estás aprendiendo? D'après mes sources, tous les VIP de la Salma seront là ce soir. Certains ont été invités, d'autres sont... Conviés de force? Ouais. On y parle de quoi? De nous. La Salma se brûle. Et ils veulent savoir qui a allumé la mèche. Elle, si nombreuse, sera là, non? C'est pas sûr, mais c'est notre meilleure chance. Alors saisissons-la. J'ai suffisamment d'hommes pour renverser tout le pays. Je vous prierai de vous abstenir. Ce que je veux dire, c'est qu'une maison ne nous posera pas de problème. Il nous faut elle, si nombreuse, vivant. Alors... faut qu'on le rencontre. Comment? On va leur donner ce qu'ils veulent, des informations. Ils veulent savoir qui est là, on va leur dire. En personne? Tout à fait. Là, nous devrons entrer, trouver le boss et le capturer. Je vais le faire. Si tu entres, il te tue, hermano. Ouais, bah je prends le risque. On est venu pour arrêter un missile, alors c'est ce qu'on va faire. Je donnerai des infos contre un rendez-vous avec Sinombre. S'il est là, on le chope. Bah dis donc, tienes huevos, cabrón. Mais si t'arrives à t'infiltrer, il te faut un guide. Je viens avec toi. Je vous couvrirai de loin. Il nous faudrait des shadows en hélico. Bien reçu. Ils vous demanderont des preuves. Montrez-leur ça. Appelez-moi si besoin. Allez, on s'équipe et on fait ça bien. Shadow en vol stationnaire.
Je suis en place. J'ai de la place pour me poser sur le toit. Ok. Je vois deux gardes armés devant la porte. Alejandro, comment ça se présente ? Un baquero à l'intérieur. Putain, comment vous avez fait ça ? Avec violence. J'ai saupe en visuel. C'est l'heure de vérité. Est-ce qu'il le voit ? Maintenant, oui. Il l'amène dedans. Il a du courage, ce type. J'espère que ça ira. Hermano. Alejandro, comment t'as... Pas le temps pour les explications. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Tu veux que je leur dise tout ? Oui, tout. Les forces spéciales mexicaines, les soldats SMP américains, la Shadow Company, Philip Graves. Toute la vérité. Même ton nom ? C'est bien lui ? Oui, chef. Il a un nom, le Mohawk ? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con ? Suis-moi. Je veux voir Elsin Nombre. Il veut voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être des informations. Et elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te ferai bouffer ta putain de crête, ok ? Dégage de mon ascenseur, bordel. Ici, c'est chez moi. Avance. Tu ne verras le boss que quand je l'aurai décidé. Tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Et plus important encore... Tu dis la putain de vérité. Parce que si tu mens, je te donnerai à bouffer aux chiens. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, putain ? Ça fait des jours que je dors pas. Le boss a dit pas de drogue. Diego, j'essaie juste de maintenir éveillé, c'est tout. Respecte les putains d'ordre ! La douleur te maintiendra éveillé. Allez, remets-toi au boulot. La Salma, c'est en guerre. Tu veux gagner ? Alors obéis. C'est comme ça que l'organisation survit. Et c'est pour ça que le boss est là ce soir. Elle s'est nombrée est ici ? Non. Mais la sicaria personnelle du Sin Nombre, oui. Valérien, en voilà un autre. Un gringo. Allez ! ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! ¡No tenemos ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! C'est très simple. Je pose des questions. Vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui ? Todo un caos, no vi. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqués ? C'était pas le cartel. C'était les forces spéciales mexicaines. On a retrouvé les corps. Fuerzas especiales. Mais
Comment un étranger peut savoir que c'était les forces spéciales mexicaines et pas toi? Peut-être qu'il y était. Tu y étais, connard. Peut-être qu'il y était aussi. Des étrangers ont collaboré avec les forces spéciales mexicaines. C'était qui? On les a entendus crier, parfois en anglais. Ils étaient avec les gringos comme lui. Une SMP américaine. Un groupe baptisé la Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Vous voyez? J'avais raison. C'était les gringos. Mais t'as des preuves de l'existence de cette Shadow Company? Comment je peux le prouver? Et toi alors? T'as une preuve? Regarde dans ma poche. C'est quoi ça? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Qui dirige la Shadow Company? Je veux un nom. Philip Graves. Philip quoi? Graves. Ça me plaît. Ce type, Graves, qu'est-ce qu'il veut? L'Iranien. Il veut Hassan. Comment il est au courant de ça? No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Con placer, Valeria. Je vous en prie, je veux pas mourir. Qué bonito. Que viven ahí. Mettons-nous au boulot. Allez, on va là-haut. Allez, güero. Que les choses soient claires, on n'en a pas fini avec toi. El Sin Nombre décidera de ton sort. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Allons-y. Allez, par ici. Los vaqueros están moviendo muy rápido. Yo voy a estar en el penthouse con él, sin nombre. Quand est-ce que je verrai el sin nombre? Valeria doit aller parler avec le boss, là. Tu attendras avec les autres. J'ai comme l'impression qu'el sin nombre aura très envie de te parler. Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas estar en la ofrenda. Que no me interrumpan. Oui, chef. Órale, me encargo de él, güey. Te necesitan afuera. Ok. Il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro, je vois que toi aussi. El Sin Nombre est dans la suite. Au dernier étage. Il faut une carte d'accès. Diego en a une. Prends ça. Sympa. Tiens. Pourquoi un masque? Des gens peuvent pas être vus avec le cartel. Radio en marche. Tu me reçois? Ok. T'es prêt? Sortons. Ghost, on y est. Qu'est-ce qu'on a? El Sin Nombre est dans le penthouse, au deuxième étage. L'ascenseur nous y mènera. On a juste besoin de la carte de Diego. Où est Diego? La salle des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves un moyen de monter sur le toit, tu pourras accéder au penthouse. Dans tous les cas, faut que je monte. Attention, hermano. Si les gardes te trouvent là-haut ou dans le garage, ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Aucune idée, mais c'est important pour Diego. Trouve El Sin Nombre et finissons-en. Terminé. Esta noche. ¿Qué quieres decir con imposible? Te pagamos para que hagas este tipo de servicio. Central, C1. Voy hacia la armería. Dos minutos. Tu peux chercher un moyen de monter ou bien suivre ce garde. C'est toi qui vois. T'es dans une zone défendue.
Les gardes ont ordre de tirer à vue. Je suis au premier étage. Diego est dans la salle des offrandes. Elle doit être quelque part à cet étage. Entendu. J'ai trouvé un couteau. Ne perds pas ce couteau, hermano. Alejandro, j'ai trouvé Diego. Bien sûr. Attention, hermano. Le moindre bruit mettra tout ce beau monde sur nos traces. J'ai un travail pour toi. Rappelle-moi dès que tu peux. Alejandro, Diego est mort. Tout en force, je te reconnais bien là. J'ai la carte. Bien joué. Dirige-toi vers l'ascenseur ou retrouve-moi au rez-de-chaussée. Quoi qu'il en soit, reste discret. Soap, ils arrivent, reste pas là. Bueno, soy el lomo. Attention. Soap, ils arrivent, reste pas là. Attention, quelqu'un le voit. Ils savent que je suis au premier. C'est calme en bas. Redescends si besoin. Attends, il y a un autre garde juste à côté. Oigan, están por aquí. Soap, cours vers l'ascenseur, tout de suite. Prends ton temps surtout. Les invités sont sortis. Si les gardes te trouvent, ils attaqueront. C'est parti. On y est, hermano. Pendant des années, Sinombre a corrompu cette ville. Qui a donné son nom à des monstres. Ce soir, on reprend le contrôle. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Contrôle de sécurité droit devant. Comment on traverse ? Fais-moi confiance. C'est quoi ce bordel ? C'est le pedazo de mierda qu'on cherchait ! Caméra endoscopique en place. Procède à l'identification d'El Sinombre. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de nom. La cargaison d'Espagne est arrivée comme prévu. Jefe, debemos movernos. Pendejito de mierda, je travaille là. S'il y a un putain de problème, tu le résous. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement et que les paquets debemos seront irnos ahora. Bon voyage. Vámonos. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a ? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, El Sinombre. Valeria ? T'es sûr, hermano ? Oui. Il faut qu'on bouge. Graves, Sinombre se fait passer pour une sicaria. On entre. Vous êtes prêts ? Ok. Ghost ? Ouais. Il nous la faut vivante. Mon nom est Valeria. Cachée à la vue de tous. Cachée. Je suis partout, soldat. Bien. Nous aussi. On y va. Mon pote, tout va bien ?
Amelia! Je la connais! Asseyez-vous. Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vete a la verga, hija de puta, que te voy a matar! ¡Oh, oh, oh! ¡Di que al comodón! ¡Ouais! ¡Ouais! Vamos. Dis-leur. Personne me donne d'ordre. Même les klebs de Las Almas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les sauvages. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe, irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la Araña, tu te souviens? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la Araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Donc vous l'avez tué. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblée. Las Almas a besoin de moi. Las Almas a besoin de soldats. Pas de sicarios. Et toi? Toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires? La concurrence profite de votre inaction. Des narcos qui protègent un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, ça, putain? Puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo! Puta madre, Alejandro! Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain de sang. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout! Putain! Ne faites pas de marché avec elle. Ça va mal se finir. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible, et je veux Hassan. Vous avez 10 secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de Las Almas. Je veux plus vous voir. Ok. En attendant, vous resterez ici. Les coordonnées obtenues lors de l'interrogatoire pointent vers une plateforme pétrolière à 400 000 nautiques au large du golfe du Mexique. La plateforme n'est plus en activité et sert actuellement de lieu de stockage pour la contrebande du cartel. Un cargo a jeté l'ancre à 500 mètres au nord-ouest. L'équipe de surveillance a repéré du personnel en train de décharger un vaste conteneur. Ce conteneur se trouve désormais en haut de la plateforme. Nous pensons qu'il renferme le missile. La Task Force 141, le colonel Vargas et la Shadow Company monteront à bord de 3 bateaux pour une élimination simultanée des deux cibles. Ghost dirigera l'équipe d'assaut en charge du cargo. Graves, Soap et Alejandro attaqueront la plateforme et désarmeront le missile. L'ennemi ne vous fera aucun cadeau. Vous avez ordre d'éliminer toutes les menaces. Très bien, c'est pas possible. Canoa et deux, rejoignez vos points d'accroche et invitons-nous à la fête. Toutes les unités navires habituelles. Reçu, préparez-vous à attaquer, on reste en contact. Si Valeria a dit vrai, on embarque, on nettoie et on désarme le missile. Si elle a menti, je lui souhaite du courage. Que Dieu nous aide. Restez sur vos gardes, ça pourrait être un piège. On est en position. Reçu, mettez-vous au travail. Ok, début de la mission. On y va.
nettoyer la pièce. Pièce dégagée, je sors. Reçu. Initialement, on se dirige vers les escaliers sud-est. Déserteur, à droite! C'est bon. On se convertit en sécurité. Dégagé. Ghost, on se dirige vers le pont principal. Quelle est ta situation? Je monte à bord du bateau avec Shadow 3. Bien reçu. Ok, on monte. Formateur! Grenade flash! Ces connards savent qu'on est là! On se déplace, vite! Tous les Shadows, en avant! Je veux un visuel sur ce conteneur tout de suite! Reçu, on y va! Shadow 1, ici Ghost. Les fusées sont envoyées depuis la plateforme. Quelle est la situation? Ghost, ils font signe au navire. Ils vont lancer le missile. C'est que la première phase. On a encore du temps. À tous les Shadows, à tous les Shadows. Le missile est sur l'héliport. 2, 1, on sécurise. Couvre-nous. 2, bien fait. Un bateau. Leader, on a un problème. Le missile est armé. Les commandes sont quelque part sur le bateau. Vous avez vos ordres, fiston. Stoppez le lancement. Allez, Pandro, prenez le relais ici. Soap, venez avec moi. On va monter dans ce bateau. Accrochez-vous, sergent. À toutes les unités. Commande du missile en vue. Je répète. Les commandes du missile sont sur la passerelle. Bien reçu. Allons-y. Ghost 01, on a pris la mer, on approche de votre position. Bien reçu, on subit des tirs, vous risquez de croiser du monde. Compris. Plus loin à bord, on pousse jusqu'à la passerelle. Puis ça, on prend les commandes et on arrête ce foutu missile. Comment on monte à bord? Prenez la rampe. Venez bon, sergent. Préparez-vous à l'assaut. Essayez d'ouvrir. Les commandes sont à l'intérieur. Ok, reculez. Ici Shadow 1. On va faire exploser la porte d'entrée de la passerelle. 3, 2, 1. Allez-y. Shadow, rendez-vous à la passerelle. Go, 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 go.
rentrons. Bon, voilà les commandes. Voyons ce que je peux faire. Allez, mon vieux. Allez, plus vite. Merde. Impossible de le désarmer. Pourquoi ? On arrive trop tard. Y a pas un code d'annulation ? Si, mais la fenêtre d'action est fermée, les gars. Leader Gold Eagle. Ici Shadow 1. Le missile se trouve en phase de propulsion et s'apprête à décoller. Vous me recevez ? 5 sur 5, Shadow. Si on ne peut pas le désarmer, on le fera exploser. Bien reçu, leader. Ce sera fait. Soap, prenez les commandes. On va devoir faire ça ensemble. Le temps joue contre nous. Alors on va devoir faire vite, c'est compris ? J'y arriverai pas tout seul, Soap. J'y suis. Venez m'aider. Leader, on est prêt. Quels sont les ordres ? Entrez le code DAL et laissez la charge exploser. C'est quoi un code DAL ? Destruction après lancement. On va détruire la plateforme pétrolière avec ce missile. Alejandro est là-bas avec les autres Shadow. À toutes les unités, évacuez la plateforme immédiatement, je répète, évacuez la plateforme. On a combien de temps ? 1 minute. Compris, on bouge. Bon, Soap, prenez les commandes. Il faut le mettre en mode diagnostic pour que je puisse contourner l'étape d'identification. Soap, appuyez sur effacer et mode en même temps. C'est fait. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Une petite prouesse technologique. Ok, il me faut le dernier chiffre de la ligne 2, colonne 1. C'est de Charlie. Parfait. Il se dirige vers la Nouvelle-Orléans. Plus maintenant. Cible mise à jour. Appuyez sur exécuter et ce sera bon. Admirez le résultat, sergent. C'est parti! À toutes les unités, préparez-vous pour l'explosion! Ici l'envoyé. Regardez-moi ce spectacle! Bordel de putain de merde! Alejandro, tout va bien? Est-ce que ça va? Affirmatif! Tout le monde va bien, Herman. Leader Gold Eagle, ici Shadow 1. Mission réussie. Missile et plateforme détruits. Bien reçu, Shadow 1. Félicitations. Quittez la zone et rentrez. Stop, gauche, merci. Travail remarquable. Bien reçu, leader. Rentre à la base, les gars. Quoi ça ? Ça, mon ami, c'est le futur immédiat. Éloignez-vous de la porte. Quoi ? Allez, allez. J'ai perdu la tête ? C'est ma base. Ce n'est pas une base. C'est un grand complexe, secret, et... il me plaît bien. Je vais le garder. Je vous relève de vos fonctions. Merci pour vos services. Non, 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 j'ai pas d'ordre à recevoir de vous. C'est aussi ce qu'a dit Valéria, non ? Du coup, ce qui m'interroge, c'est tout ce que je ne sais pas sur votre relation avec cette baronne de la drogue. Qu'est-ce que tu viens de me dire, Pender ? Dépassez les bornes, Graves ! Ne faites pas ça. Calme. Calme. Vous ne voulez pas que quelqu'un soit blessé. Est-ce que c'est une menace ? Soldat, ce n'est pas mon genre. Moi, je donne des garanties. Alors on va tous se calmer. J'appelle Shepard. Le général Shepard vous envoie ses salutations. Il m'avait dit que vous auriez du mal à avaler la pilule. Il est au courant ? Il m'a chargé de reprendre les rênes de cette opération. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous effacer. À partir de maintenant, laissez faire les pros. Écoutez, pourquoi faire comme s'il s'agissait d'une négociation ? Ce n'en est pas une. J'ai reçu des ordres. Et maintenant, vous avez les vôtres. Tu peux me dire pour qui tu te prends, cabron ? Mes hommes sont à l'intérieur ! Malheureusement, non. Vos hommes ont été... appréhendés. C'est quoi ces conneries ? Je vous interdis de me toucher ! Johnny, faut le camp d'ici ! Sors ! Cours !
T'es là, gosse? T'as commis une grave erreur, mon ami. Ça aurait pu bien se passer. Putain de merde! Trouvez-les! Ici Bravo 7-1 à l'aveugle. Tu me reçois? Ghost, ici 7-1. Est-ce que tu me reçois? Merde, où est-ce que t'es, Ghost? Soap, ici Ghost. Tu me reçois? Johnny, tu me reçois? 5 sur 5. Je pensais t'avoir perdu. Tu es blessé? 2-0. Nos hommes quadrillent la zone. C'est Ghost, Soap, ça va. Ici. On va voir si c'est vrai. Bien reçu. Venez, par ici. T'es où? Je suis en route vers une église. On n'a qu'à se donner rendez-vous là-bas. Tu vas devoir improviser pour survivre. Mettez-le à côté de... Lives et la Shadow sont entrés dans une folie meurtrière. Avec plaisir, commandant. Ta gueule, cherche à toi. Toi. Et nous? J'ai dit... Tourne-toi! Estas calles sont nuestras! Allez-y. Putain de merde. Ça veut pas. La porte est verrouillée. Je cherche du matériel pour On a trouvé quelques ripoux dans le coin. Bienvenue dans la guérilla. Allons gentiment avec eux. Quelle horreur. Qu'est-ce que tu vois? Un bain de sang. Le pauvre gars. J'ai trouvé une corde. C'est un début. Cherche encore. J'ai récupéré une palle de ventilateur. Attache la corde à la palle et serre-t'en comme levier pour ouvrir une porte. T'as l'air de maîtriser ton sujet. Des années de pratique. La palle s'est cassée. T'as ouvert la porte? Affirmatif. Bien. Ouvre l'œil. Tu devrais pouvoir en trouver d'autres. Voilà le gamin. Faites-le sortir de là. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Chut, doucement. Voyez-vous ça? D'autres policiers. Alors comme ça, les flics collaborent avec le cartel, hein? Là, montrons-leur un peu ce qu'on pense de la corruption. Avec joie, chef. El Sin Nombre los matará por esto. Non. El Sin Nombre te sauvera pas cette fois, amigo. Les cortará la maldita cabeza. La ferme. Cállate. No más habla. Fais chier, putain! Mettez-y le feu. J'ai trouvé une lampe frontale. Pas très loin de ça. Un ancien propriétaire. Bien. Fais attention. Ça t'aidera à mieux y voir, mais ça risque d'attirer l'attention. Ah. Oh. Quoi de neuf? Les mercenaires tuent tout sur leur passage. Zone sécurisée. Des crimes de guerre. Ça me donne envie d'en commettre quelques-uns, moi aussi. Je prendrai position dans la tour de l'église. Trouve comment me rejoindre, et avec un peu de chance, tu t'en sortiras. Escúchame, cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. Tu aimes travailler pour le cartel? Es el territorio de las armas. Tu aimes l'argent? Non, non. El dinero, hombre. Por favor. Graves est en train de rafler tous les policiers. Il est juge, juré et bourreau à la fois. Une bouteille. Parfait.
parfait pour faire diversion. J'ai envie de me mesurer à la 51. Après que l'on devrait déposer les armes et disséquer. On risque de tout s'y passer. Quoi, ça ? Non, j'ai pas peur. J'ai lancé une bouteille. Ça a fait son effet. Je te l'avais dit. Si tu m'écoutais un peu plus, t'aurais moins de problèmes. Les arcos se sont barrés. Ghost, t'as perdu un couteau? Ouais, plusieurs. Je crois que j'en ai trouvé un. C'est moi qui ai tué certains de ces soldats privés. T'étais là? Ouais, en allant vers l'église. Tu m'as abandonné? J'ai l'habitude de travailler seul. On n'abandonne personne. Tu parles. Contente-toi de rejoindre l'église. Je sais. J'essaie juste de te faire sortir d'ici en vie et en un seul morceau. Faut bien que l'un de nous survive pour raconter ce qui s'est passé. Alors comme ça, tu tiens à moi? J'ai pas dit ça. T'as encore un long chemin à parcourir. J'en ai eu un. Pas mal. Je lui ai piqué son arme. Bien joué. T'entres dans la cour des grands, Johnny. Choisis bien tes cibles, Johnny. Y'a rien de moins discret que des coups de feu. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un silencieux? Faut être futé et faire avec les moyens du bord. Il tombe des hallebardes. Traduction? Il pleut à verse. Tu pouvais pas le dire normalement? C'est ce que j'ai fait. C'est une bonne chose. La pluie couvrira tes traces. Les leurs aussi. Le plus important, c'est toi, Johnny. Ça veut dire que tu m'aimes bien. Ça veut surtout dire que je veux que tu vives. J'entre. Reçu. Prends ce que tu peux pour les tenir à distance. Excellent. Je me sers. Maintenant, ça rigole plus. Ghost. Soap. J'ai trouvé un fil de détente accroché à un fusil à pompe. Je l'ai désarmé et j'ai pris l'arme. Brise des cœurs et des crânes avec, Johnny. Je suis dans le café. Prends-moi du thé. Foutu britannique. Tu me remercieras. Comment ? En réglant ton problème. C'est quoi mon problème ? Le masque. Enlève-le. Que je montre mon visage ? Oui, chef. Négatif. C'est parce que t'es moche ? Bien au contraire. Laisse-moi en douter. Ouais. Bien, t'es sur la bonne voie. Continue. Ghost, le passage est bloqué. Coupe à travers les magasins. Je crois que j'ai trouvé un passage, lieutenant. Les shadows sont partout. Je vais essayer de les retenir jusqu'à ce que tu me rejoignes devant l'église et qu'on trouve un véhicule. Bien sûr. Allume-les, Johnny. On y est presque. Les unités Shadow, j'en vois un près de l'église. Notre chien. Ghost, c'était toi? Qui d'autre sinon? Allez, bouge. Vous voulez pas me laisser souffler deux minutes? Ghost, tu me reçois? J'ai de la compagnie. On passe pour prendre le thé. Rejoins-moi dans les escaliers. Ok, lieutenant.
C'est à moi maintenant. Suis-moi. Un pick-up en face. Il a les phares allumés. Je conduis, Johnny. Toi, monte à côté. Bravo, Johnny. T'as réussi. On a réussi, lieutenant. Cramponne-toi. Absolument brillant. Pousse-toi! Merci. Roule! On est où? La planque d'Alejandro. Il m'a donné les coordonnées au cas où. Pourquoi il me l'a pas dit à moi? T'avais pas besoin de savoir. Ouais, mais si j'avais eu besoin... Chut. Une plaque de pression. Alejandro l'a bidouillé. Petit malin. Là. Bouge pas! Qui est là? Rodolfo! Soap! Ghost! Vous êtes vivant! Affirmatif. Que c'est bon de vous voir, les gars! Pareil, amigo. Je l'ai lancé. Où vous étiez passé? En cavale. Moi, j'étais en cavale. Ghost m'a attendu. C'est normal, non? Non. Si. On est une équipe. Tous. C'était de ma faute et j'aurais besoin d'aide pour le corriger. On se bat tous ensemble. Pourquoi Graves a retourné sa veste? On en a aucune idée. La Salmas peut corrompre n'importe qui. Pas nous. Pour l'instant, le général Shepard, Laswell et tous ceux qui ne se trouvent pas dans cette pièce sont considérés comme hostiles. Avec une exception. Alejandro. On doit le libérer. Venez. Graves l'a envoyé là-bas. Sa petite prison secrète personnelle. Il y a aussi enfermé mon équipe. Comment on peut les sortir de là? En nous infiltrant. C'est pour ça que je t'adore, Ghost. Ça va pas nous suffire. Besoin de matos. Bien. Excellent. On a besoin d'un véhicule. Et blindé de préférence. Alejandro a pensé à tout. Ouais, c'est clair. Allons chercher. L'ancienne prison se trouve dans une zone reculée de Las Almas. C'était un établissement de haute sécurité avant l'arrivée du cartel et sa fermeture définitive. Il n'y a pas de piste, mais ils auront des hélicos pour la sécurité et le ravitaillement. On laissera le véhicule à l'écart et on foncera jusqu'au point d'infiltration, là. Si des tours de guet sont occupées, va falloir les nettoyer avant de remonter le mur à la corde. Et concernant les caméras? Elles se trouvent dans la salle de vidéosurveillance. On s'en servira pour localiser Alejandro et les autres soldats. Divisons-nous pour mieux régner. Pendant que Rudy cherche Hal, j'utiliserai les caméras pour aider Ghost à poser des charges à des endroits stratégiques. Diversion et sabotage. Pas mal, Johnny. J'ai appris du meilleur, lieutenant. Une fois qu'on aura localisé Alejandro et Los Vaqueros, on se regroupe et on les libère. On prendra quelques armes supplémentaires pour équiper mes hommes et faire le chemin à l'envers. Des questions? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Graves va boucler cet endroit. Il y aura des patrouilles à l'extérieur. C'est certain. On est équipé? Armes, munitions et charges dans le sac. J'ai le lance-grappin. Remonte corde. Ok. Ok. J'espère qu'Alejandro est vivant. J'en suis sûr. Avec moi. À gauche, un sentier. Suivons-le. Hé, Rudy.
Tu connais Alejandro depuis longtemps? 20 ans. On s'est enrôlé en même temps. C'était le plus coriace du régiment. Je veux bien te croire. On disait souvent, el único que puede matar a Alejandro es Alejandro. Qu'est-ce que ça veut dire? La seule chose capable de tuer Alejandro, c'est Alejandro. Une chance qu'il soit avec nous, alors. C'est certain. Stop. Prison en vue. Une patrouille à l'extérieur. On va devoir les éliminer avant d'entrer. 2 snipers dans la première tour. Saute, t'en prends un. Je m'occupe de l'autre. Shadow éliminé. Bien joué, Hermanos. Je vais faire le tour, puis on fera le ménage. Rudy, file-nous un coup de main. Attention, sergent. Faut surtout pas qu'ils t'entendent. Un hélicoptère en approche. Ça ressemble à un largage de ravitaillement. Si Shadow en veut. Affirmatif. 3 près du véhicule, 2 derrière les rochers, et 1 autre tout seul à droite. Éliminez d'abord les 2 près du véhicule, les autres verront rien. Bonne idée. Soap, à mon signal, élimine le type à la casquette. En place. Ok. 3, 2, 1. Bien, 2 morts. On bouge. Élimine les 2 à droite du véhicule. Celui de l'autre côté est pour moi. C'est bon. La voie est libre. Avance jusqu'au pied de la tour. C'est par là qu'on entrera. Il faut monter. Bonne prise. Passez devant, lieutenant. Soap, ouvre-la. À toi, Soap. Ne tire pas une fois là-haut. On doit rester discret. Ouais. Je suis en haut. Reçu, je te suis. Direction la salle de sécurité. T'éloigne pas. Cherchez une trappe avec une échelle. Trouvez. Viens, Saul. Ouais, j'arrive. Je suis au-dessus de toi. La salle de surveillance est tout droit. C'est là que se trouvent les caméras. Rapidité et discrétion. 2 à l'intérieur. On doit les éliminer avant qu'ils appellent leurs copains. Je te conseille d'utiliser une arme de courte portée à l'intérieur. Bonne idée, lieutenant. Entrons. Après toi, Soap. C'est dégagé. On localisera mes hommes avec le circuit. Y'a Alejandro. Va nous falloir faire diversion. Je poserai des charges à l'extérieur. Soap, tu seras mes yeux. Ok. Utilise les caméras. J'y suis. Moi aussi. J'y vais. Couvrez-moi. Reçu. Bonne chance, lieutenant. Soap, dis-moi quand je peux passer la porte. C'est dégagé. Vas-y. Il porte une armure. Je vais devoir m'approcher. Ordure sur ta droite. C'est le moment de sortir les poulets. Tu fais chier. Un soldat en patrouille à l'intérieur des barbelés. Tire-lui dessus. Il est mort. Il y en a un dans le coin. Il a baissé son arme. Saigne-le. Un de moins. Passe derrière le véhicule. C'est un bon endroit pour placer une charge. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée, lieutenant. Bien reçu. Bombe en place. Je bouge. Il y a un autre véhicule de transport de troupes pour toi. 2 en approche par la route. Laisse-les passer. Vas-y, maintenant. Passe derrière le véhicule. À gauche. Quelques coups de couteau et le tour est joué. Bonne nuit. Shadow, à gauche. Sors ton flingue et tue-le. Bien joué.
Bonne idée, lieutenant. Autant de véhicules qui pourront pas nous poursuivre. Johnny, on est tous en place ici. On sait où est Alejandro ? Timing parfait, je viens de le trouver. Où ça ? Un instant. Putain de merde. C'est lui. Il est à l'isolement. Devant la porte. Je les vois. Ghost, on le tient. Il est tout seul. Deux Shadow montent la garde. Plus pour longtemps. Rendez-vous devant le bloc. On va le libérer. Bien reçu. J'y vais. Beau travail. Toi aussi, l'ami. Alejandro aurait fait pareil pour nous. Ça fait aucun doute. Allons libérer quelques vaqueros. Quelle est ta situation, Ghost ? J'arrive. Reçu. On se met en mouvement. Attention à l'hélico. Je crois pas qu'il puisse nous voir. L'entrée des cellules se trouve juste devant. Mais les Shadows nous bloquent la route. Butons-les avant d'entrer. La voie est libre. C'est verrouillé. Faut forcer l'entrée. Non, Rudy. Frappe. Avec moi. Les ennemis au niveau supérieur. Ça, on va les tenir occupés là-haut. Continue d'avancer. Cellule d'Alejandro. Ouvrez-la, je vous cours. Johnny, quand j'aurai fait sauter le verrou, tu entres. C'est pour ça qu'on est là. Alejandro ! C'est moi ! Colonel, relax, cabron, ce n'est que nous. Soup ! Rudy ! Ghost ! Tu pensais pas qu'on allait te laisser ? On avait mis du temps ! C'est un droit grouille de membres de la Shadow, ça va chauffer. Combat dans le feu, par le feu. D'autres vaqueros sont enfermés plus haut. Allons les faire sortir. Orale, je te suis, Rodolfo. T'as vu Graves dans le coin ? Non, mais j'ai bien l'intention de lui rendre une petite visite. Moi aussi. Il y a des gardes à tous les étages. Alors faites attention. Lance-leur tout ce que t'as ! Grosse pota ! C'est tout ce qui bouge ! Je crois qu'on est tranquille. Nos vaqueros sont retenus prisonniers dans ces cellules. On est là, vaqueros. C'est l'heure de rentrer à la maison. On va vous faire sortir. On enfonce les portes ? Non, on peut les contrôler depuis le poste de commandement, de l'autre côté du réfectoire. Je suis dessus. Les frères d'armes, à la vie, à la mort ! Le sergent parlera des armes. Prends-en une et attendez là. Commandant, estás vivo ? Les autres, suivez-moi. Bendito sea ! Ninguna prison peut retenir los vaqueros. Je suis là. C'était le réfectoire. Alors, on va les faire déguster. Bien dit. Les Shadows savent qu'on est là, restez sur vos gardes. Là-haut. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'on ferait sans Ghost ? Vous, colonel. Fais à volonté, Hermanos. Les escaliers nous mèneront dehors. On retrouve les autres et on fout le camp d'ici. Les véhicules d'exfiltration sont prêts. Ghost a posé des charges pour nous faciliter la tâche. Avec l'aide de Johnny. Je me vois mal appeler Soap Johnny. Le fais pas. C'est un privilège réservé à Ghost. On va devoir traverser la cour pour faire sortir tout le monde. On te suit, Soap.
Montrons à ces Shadows de quoi on est capable. Terminé. Pour l'instant, Rodolfo, où on va? Coupe à travers le bâtiment, à gauche. Les Shadows sont préparés. Ce sont des mercenaires, Johnny. Des putains d'opportunistes. A l'air calme. Prends tout ce qui pourrait nous aider à sortir de là vivant. Je vais placer un poste d'observation là-haut pour fournir des tirs de couverture. Vous autres, attendez mon signal. Reçu. D'autres arrivent, avec des boucliers cette fois. Faut franchir ce mur. Vous entendez ça? De danger pour l'instant. Mais les Shadows vont pas tarder à se prendre. Sergent McTavish. C'est bon de vous revoir, capitaine. Ghost. Garrick. Price. Comment vous avez su? Laswell. Elle nous a contactés dès que Shepard a disparu des Laswell. Radars. Laswell. Toujours aussi fiable. Colonel Vargas, voici le capitaine Price et le sergent Garrick. Merci de votre aide. Mes hommes ont besoin de tirs de couverture. Yes, Ghost, Soap, en soutien, tout de suite. Un peu ça. J'ai trouvé un ventre en arrière devant. On va tirer sur une pression. Nos alliés sont en train de frapper. Une fois qu'on prend tout ce passé, on dégage. On peut y aller, colonel. Reçu, fout ton camp d'ici, hermanos. Stop, stop, casse, le long du mur. On s'en va. Stop, prends une corde, faut partir. Ces deux-là sont à nous. Ok. Rodolfo, prends le véhicule qu'on avait tout à l'heure. Bien reçu. Kairos, avec moi, Rodé. Retrouve-le dans la reçu, maison. Reçu, colonel. Bonne chance. Capitaine, suivez-moi. Reçu. Gaz, vous conduisez. Oui. Ghost, sors par ici. Montez. Foncez, sergent. J'ai peur de nous attraper. Il a envoyé Graves et la Shadow Company me tuer et se débarrasser des Vaqueros. On sait pourquoi. La Zoé, elle a mené quelques recherches. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? La vérité. J'ai découvert des renseignements confidentiels au sujet d'une opération secrète, menée par la Shadow Company, sous les ordres du général Shepard. Ils envoyaient des missiles balistiques américains à nos alliés au Moyen-Orient alors en conflit avec les Russes. La mission ne s'est pas déroulée. Est-ce qu'on transporte
transport cette fois, Graves. Je vous le disais, je devrais vous tuer. Je suis sûr qu'il le ferait aussi. C'est rien de bien compliqué, les gars. Juste des armes pour les gentils. Vous serez rentrés à temps pour le petit-déj. Si on se foire pas, ce sera le jackpot pour tout le monde. Venez me voir à votre tour. Compris. Ouais. Ça marche. J'ai peur d'attendre un rapport. Ne le faites pas attendre. Terminé. Trois conteneurs. C'est pas rien non plus. Ils sont affamés. Shadow 2 à Leader Gold Eagle. Je vous écoute, 2. Trois véhicules de la Shadow quittent la route 7 Zulu. Aucun problème à signaler, Leader. Reçu. Livrez la marchandise en temps et en heure. Aucune erreur permise. Eagle, terminé. Aucune erreur permise. Je savais bien que c'était pas une mission comme une autre. Qu'est-ce qui se passe ? 3, ici Erickson, tout va bien ? Y'a un véhicule sur la route ! Bouge pas, j'arrive. Graves, ici Vance. On est bloqué, on va essayer de régler ça. Faites vite, le convoi doit rester en mouvement. Bien reçu. Les rapports de reconnaissance indiquaient une absence d'activité ennemie sur cette route. C'était faux. La cargaison a été repérée avant d'arriver à destination. Ça me plaît pas tout ça. Son arabe est lamentable. Di Paolo, sors et couvre-le. Ok. Il me faut un interprète. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Vance, Di Paolo, allez l'aider. Putain de merde ! Contact ! Oh, arrête à terre ! Paolo, allume-le ! C'est qui, ces types ? Reculez ! Reculez ! Troupes au contact, subit des tirs nourris, plusieurs victimes. Contact à l'arrière. Si Leader Gold Eagle, ne perdez pas la cargaison. Attention en haut, dans les bâtiments. Sur le toit. Les Russes ont exécuté toutes les squads et intercepté les communications de la Shadow. Ils ont su que Shepard était derrière ça. La Russie a alors donné les missiles à Hassan. Les intentions de Shepard étaient bonnes, mais ses cargaisons étaient clandestines et illégales. Graves et lui ont enterré l'affaire. Mais les secrets sont toujours pires que le crime. On approchait de la vérité, et ils ne comptaient pas nous laisser faire. 3 missiles ont été dérobés. On n'en a retrouvé que 2. Hassan a le 3e. On doit le récupérer. Vous nous avez caché ça ? Pourquoi ? On a tous nos secrets, capitaine. Mais pourquoi j'ai pas été informé ? Considérez-vous bien informé maintenant, John. Génial, on est bien avancé. Merci, général, mais vous avez un jour et un missile de retard. Il y en avait 3, on en a que 2. Je vous conseille d'analyser vos erreurs et de les corriger. Et qui corrigera les vôtres, hein ? Je n'ai rien à corriger. Je suis un patriote qui défend son pays. Vous défendez votre cul, oui.
Je fais ce qui doit être fait, sans que personne ne me dise quand ni comment. Je sais ce qui est bon pour la cause. Vous avez perdu la tête, général. Et vous, vous avez oublié pourquoi vous vous battez, John. Pour faire le bien, vous devez aussi faire le mal. Et les erreurs doivent être enterrées. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais on devrait pas s'enterrer avec non plus. Vous devriez arrêter de me juger et lutter contre le véritable ennemi. Vous devez rappeler votre chien. Graves? Ouais. À votre place, je me méfierais. Il n'apprécie guère qu'on touche à ses jouets. C'est votre dernière chance pour changer d'avis. Sinon quoi? Quand je lui aurai réglé son compte, ce sera votre tour. Órale! Vaqueros! Pongan attention! Écoutez-moi, on va reprendre votre QG. Libérez nos prisonniers. Et tuer le commandant Graves. Quand? Maintenant. On va devoir combattre les nôtres. C'est plus la 141 d'un côté et Vaqueros de l'autre. On fait équipe. L'équipe Ghost. C'est bon de te revoir, Simon. Si vous venez, prenez un masque. Sinon, faites rien. Mes troupes connaissent le complexe des Fuerzas Especiales bien mieux que les Shadows. Ça nous donnera un certain avantage. Attention, ils seront en état d'alerte à cause de l'évasion. Deux équipes Ghost infiltreront la base. Équipe 1, Capitaine Price, Gaz, un pilote et moi-même. Équipe 2, Ghost, Sou, Rudy et Los Vaqueros. L'équipe 1 prendra les tunnels pour accéder au tarmac et réquisitionner un hélico. Mon pilote fera décoller le capitaine. L'équipe 2 attendra à l'extérieur jusqu'à ce que Price tire sur la porte d'entrée. Une fois ouverte, elle ira à la recherche de Graves. Il y a de fortes chances qu'il soit dans mon QG, protégé par ses meilleurs tireurs. Pendant que Gaz et moi trouverons et sécuriserons Valeria, l'équipe Ghost numéro 2 débusquera Graves et le tuera. 4 ghosts dans le tunnel. Reçu, le code marche encore. Affirmatif, quelle est ta situation? Un clic de la porte avec sauvé ghost. Reçu, attendez. Terminé. Beau travail, Alejandro. Gaz, suivez-le, on y va. Feu à volonté, hermanos. Attention. Ouais. Stop, écoutez. Des pièges. Attention, ils sont probablement connectés à des charges. Enfoiré de Graves, voyons voir. Je lance un fumigène. Bordel de merde. C'est un putain de traquenard. On va devoir les désactiver. Bien sûr. Attention. Sur le mur, à 12h. C'est un dispositif de contrôle. Psst, on n'est pas tout seul. Des Shadows. Combien? 3. Occupez-vous de celui de droite. Oh merde! Excellent tir. C'est un putain de labyrinthe ici. Heureusement que je suis là, par ici. Graves a placé des pièges, mais il n'a pas pensé à changer les codes. Il s'attendait pas à nous voir débarquer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça nous amènera à la surface. Attention, il pourrait y avoir d'autres charges. Vous entendez ça? Fumigène, sergent. J'en vois. Vous aviez raison, capitaine. Après toi. Laissez-vous, passez dessous. Ah.
C'est bon, on peut y aller. Suivez-moi, tout droit puis à droite. Ne tirez pas, on est en plein cœur de la base. On réquisitionne un hélicoptère et on vous fait décoller, capitaine. Gaz, tu viens avec moi. Je te suis. Derrière vous. J'envoie deux près de l'hélico. Neutralise-les. Bien visé. Bravo 6, la voie est libre jusqu'à l'hélico. Fais-le décoller, mais garde la radio allumée. À vos ordres. Alejandro, votre pilote est bon ? C'est le meilleur. Bonne chance, capitaine. Gaz, on entre. Suis-moi. C'est quoi le code ? 6 de 7, si tout va bien. Parfait, ça fonctionne. Génial, suis-moi. Ghost, prêt. Compris. Bonne chance, capitaine. À tous les ghosts, je survole la zone. Bien reçu, bravo 6. Deux approchent de la porte. Tu pourras faire feu une fois qu'on aura marqué la cible. Je pense que Graves se planque dans le QG. Une fois entré, on se sépare. Le soutien aérien ouvrira la voie. Pendant que les Shadows prennent la fuite, on localise Graves et on le tue. Compris ? C'est très clair, lieutenant. À tous les ghosts, préparez-vous à entrer. Soap, prends le désignateur et marque les cibles pour Price. Bien reçu. C'est bon. Porte de sécurité sur notre gauche. Plusieurs Shadows montent la garde. Voilà notre cible. Lançons une frappe avant de passer à l'assaut. Cible marquée. C'est quand tu veux. Cible confirmée. Feu à volonté. Joli tir, bravo 6. Reçu. Rejoignez le QG et trouvez Graves. Alejandro, profitez de la confusion pour chercher Valeria. Avec moi. Go, go, go! Si Graves est encore dans le QG, on doit se dépêcher de le trouver. On est paré à faire feu, sauf. Il est au bout. Cible marquée. Bien reçu, j'avais la cible. Pour frapper aérienne. Cible en vue, attaque en cours. De soutien. Cible marquée. Bien reçu, j'envoie. De détruire ce véhicule, Soap. Commande de frappe à ses coordonnées. Les snipers sont en vue, attaque en cours.
Poste, le bâtiment des Fuerzas Especiales. Graves est sans doute à l'intérieur. Ton drapeau flotte encore au-dessus du QG. J'espère bien qu'il continuera. Soap, essaye d'ouvrir la porte. C'est verrouillé. Rudy, qu'est-ce que t'as ? Une charge explosive. Pas mal. Éliminez toutes les menaces. Si vous voyez Graves, abattez-le. Hé, Rudy. Je suis désolé pour ta base. Moi aussi, mon frère. Allons-y. 3, 2, 1, explosion ! Parfait, ça fonctionne. Génial, suis-moi. Les ghosts, allez dedans. Compris. Bonne chance, capitaine. Ça grouillera du château. Reste discret si tu tiens la vie. Bien sûr, je te suis. On n'a qu'à aller voir. Négatif. Tenez votre position. Je veux que tout soit bouclé. Si quelqu'un est entré, laissez-le venir jusqu'à nous. Terminé. Oh putain! Dégagé. Excellent tir. C'est le moment d'aller chercher Valeria. Les Shadows sont concentrés sur l'hélico. Tant mieux, ça nous laissera une chance d'avancer. Exactement. Ils retiennent Valeria dans le hangar 3. Te fais pas repérer, tout se passera bien. Hangar 3, compris. T'avais des doutes sur Graves avant ça ? Je me méfie toujours des Gringos. Mais non, je les ai confiants. Fais gaffe, Shadow a proximité. Les mauvaises personnes peuvent faire de bonnes choses. Et les bonnes personnes peuvent en faire des mauvaises. C'est pas faux. Ça veut dire quoi, Gringo, en fait ? Durant la guerre américano-mexicaine, les Américains portaient des manteaux verts. C'était quand ? 1847, les Mexicains leur demandaient de partir en disant « Gringo home », et ça a donné Gringo. Oh, je savais pas tout ça. J'approche de ta position. On dirait que Nogal leur met la misère. Je te vois. On va analyser le terrain. T'es encore loin ? Non, on y est presque. Le hangar est par là. T'éloigne pas. Ok. La porte extérieure est ouverte. Bravo 6 et 6 gaz. Rentre dans le hangar. Le code ? 627. Valeria est dans un conteneur au bout du hangar. Elle sera sous haute protection. Restons discrets. Il y a une équipe d'assaut à l'extérieur du QG. Ils vont entrer. On devrait rester vous protéger, chef. Dégagé. Dirige-toi vers le conteneur. Valeria ! Alejandro ! Bingo. On sécurise la position jusqu'à ce que Soap, Ghost et Rudy aient capturé Graves. Gaz pour Bravo 6, prisonnière sécurisée. Reçu, restez sur vos gardes. Autour de Graves. Rodolfo connaît le code des portes ? Non. Il y a quelque chose de légèrement plus puissant. C'est verrouillé. Rudy, qu'est-ce que t'as ? Une charge explosive. Pas mal. Éliminez toutes les menaces. Si vous voyez Graves, abattez-le. Hé, hey, Rudy. Je suis désolé pour ta base. Moi aussi, mon frère. Vas-y. 3, 2, 1, explosion ! Contact au premier étage ! Il s'enfuit. Faut le rattraper. Go, go, go ! Premier étage, en avant !
crois que c'est bon. Il peut pas aller loin. Il est sûrement allé se planquer quelque part. Faut rejoindre la salle de contrôle. Il y a une porte arrière. Graves a dû passer par là. Dépêchons-nous de le retrouver. Attends de l'exécuter. Graves vient de franchir le mur. Lance-roquette! On est touché! On est touché! Mike! On perd de l'altitude! On va s'écraser! Quel merdier! Capitaine! Ce connard de Graves! On doit le suivre et l'arrêter! Je te tiens. Monte! Allons tuer cette pourriture! Prends ma main! Ghost, tu viens? Non, Price et le pilote ont besoin de moi. Je vous laisse gérer le reste. Regarde! C'est pas à nous, ça. Mais merde! Graves se ramène dans un putain de temple! Jamais! Les rôles ont été inversés. Les chasseurs sont maintenant les chassés. Ça doit faire tout drôle. Je vais me le faire, cet enculé! Il va falloir une bonne puissance de feu pour détruire Graves et son tank. Il faut faire un entraînement. Tu devrais trouver ton bonheur si tu le cherchais. T'aurais dû rentrer chez toi tant qu'il était encore temps, Soap. Toi et... cet idiot masqué. Vous cachez derrière cette histoire. Cherche bien, sergent. Il devrait y avoir du C4 quelque part. Tu l'as porté, toi aussi. Cet uniforme était un frein pour moi. Je me suis débarrassé de cette peau. Comme un putain de serpent. Comme un putain de soldat, Soap. Tu t'es senti obligé de créer ta propre petite armée. Parce que t'étais pas taillé pour la vraie. C'est presque drôle venant de toi. Mais bon, je suis passé par là, moi aussi. Je t'ai engagé sur une voie dangereuse. Je t'ai dit de rentrer chez toi, mais t'as pas voulu m'écouter. Oh, il est cuit. Tu paieras pour ça. Tu lui causes de lourds dégâts, Soap. Continue comme ça. On a réussi, Hermano. Combattre un tank à pied. Ça, c'est fait. Soap pour Ghost. Je suis avec Rudy. Graves est mort. Comment va Price? Il rage. Il a perdu un cigare dans le crash. Le pilote aussi va bien. Terminé. Alejandro, la base est sécurisée. Graves est mort. On vous rejoint. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? ¿Comenzaste una guerra? Te persigue la violencia a todas partes, me cae. No hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. Tu savais pour le troisième missile. Oh, je les ai pas comptés. D'autres font ça pour moi. Elle ment. Où est Hassan? Où est l'autre missile? À Chicago. C'est quoi ce bordel? J'ai promis de vous dire où il se cachait, j'ai pas dit que je l'arrêterais. T'es qu'une sale pourriture. Vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu. J'ai un business à faire tourner, señores. Grandir ou mourir. Le monde fonctionne ainsi. Tu t'es mis une cible dans le dos? Non. J'ai mis une cible sur Chicago. Maintenant, foutez le camp de la Salmas et allez la trouver, pendejos, cassez-vous. Pour l'instant, on te la laisse. Mais on viendra. Je m'en réjouis d'avance. On bouge. Allez, viens, toi. Soap, prépare le transport et préviens Laswell. Hassan et le missile sont à Chicago. Ce soir, la Salmas dormira tranquille. Je serai libre dans 24 heures. Pas sûr que vous ayez cette chance, Vaqueros. Tu vas payer pour ce que t'as fait. Peu importe ce que j'ai fait. Sans preuve, c'est que du vent. Partez, vous avez du boulot. Bats-toi pour la bonne cause, Hermano. Jusqu'à la mort, mon frère. Bonne chance, amigos. Ghost!
Donne de tes nouvelles, vieux frère. Compte sur moi. Un signe nombré nous a dit qu'ils avaient fait entrer le troisième missile aux États-Unis, via le port de Chicago. Hassan et les soldats d'Alcatala l'accompagnent. On ne sait pas exactement où se trouve le missile, ni où il va. Mais on sait qu'Hassan a été escorté jusqu'à un bâtiment du centre de Chicago détenu par une société écran du cartel de la Salmas. La police est sur place pour boucler les rues autour du bâtiment. Ils ont été envoyés pour chercher un conteneur volé rempli d'armes. Ils ne savent pas qu'il s'agit en fait d'un missile. On pense qu'Hassan s'est retranché dans une salle de serveur fortifiée au 54e étage de cette tour. Je resterai au sol pour localiser le missile. Les Marines et moi, on arrivera par la Chicago River pour rentrer au rez-de-chaussée. Je prendrai position dans un bâtiment en face de l'objectif pour vous offrir un soutien armé. Deux hélicoptères se poseront sur le toit du bâtiment cible. Dans l'un, une équipe de Marines, et dans l'autre, Soap et moi-même. Pendant que Gaz et les Marines remonteront le bâtiment, Price et Soap le nettoieront en partant du toit jusqu'à la salle des serveurs pour prendre Hassan en étau. Notre principal objectif est de localiser et de désactiver le missile. Mais vous avez l'autorisation d'exécuter Hassan. Watcher 1 pour Leader Bravo 6. Périmètre sécurisé. On a peut-être localisé le conteneur du missile, on se rend sur place. Entendu. À tous les bravos, mettez-vous en place. On y est. 0-5, bien reçu. Bravo 6-2 est à 20 secondes du bâtiment cible. Plusieurs soldats d'Alcatala sont à l'intérieur. Ghost, mets-toi en position. Reçu. Je bouge. Le 56e étage est notre principal objectif. Fortifié et difficile d'accès. C'est la cachette idéale pour Hassan. Compris. On va enfin choper ces tordures, capitaine. Avance! Position au rez-de-chaussée. Soap, accroche-toi. Ghost, on est prêt, t'as un visuel? Affirmatif. Vous voyez ma lumière? Signal confirmé. Qu'est-ce que tu vois? Des civils, des otages. Hassan essaie de gagner du temps. Occupez-vous d'éliminer les menaces. Bravo 3 sécurisera les otages. On se retrouve à l'étage cible. Si besoin, repositionne-toi. Deux ennemis en dessous. On est bon. Sauf, t'en es où? Encore un étage. Reçu. J'ai pris position à l'étage cible. Cinq ennemis à l'étage suivant. Trois en mouvement, deux immobiles. Analyse la situation avant d'attaquer. Bravo, 51e dégagé. 07, reçu, on arrive. Price, tous les otages sont en sécurité. Reçu, rendez-vous à l'étage des serveurs. Charge en place, on dégage! Watcher 1, on y est, quelle est votre situation? Laswell, c'était quoi ça? John, le missile vient d'entrer dans la première phase d'activation. Les commandes ne sont pas dans le conteneur. Ça veut dire que c'est Hassan qui les a. On avance vers la zone cible. Terminé. Il faut qu'on mette la main sur ces commandes. Espérons qu'Hassan est ici. Salle de contrôle en vue. À toutes les unités, Hassan n'est pas là. La salle de contrôle est vide. Ghost, t'as quelque chose? Affirmatif. Possible visuel. 46e étage. Reçu. On y va. Recule, sergent. Accroche-toi.
Le point d'entrée se trouve 4 étages plus bas. À tous les bravos. 5 à 4, 40 étages. Reçu. On le poussera dans votre direction pour resserrer les taux autour de lui. Sauf, quand on aura trouvé les commandes, ce sera à toi de désactiver le missile. Entendu. Ce sera pas la première fois. Ok. Oh, maintenant. Hassan a pris les escaliers. Il descend. Bien reçu. Cache. Ici, reste à vous. Bien reçu. C'est dégagé. Rejoins les escaliers. Cache, quelle est la situation? 07, la cible est cernée, au 46e étage. Reçu, on arrive. Suis-moi, sergent. On prend les escaliers. On descend. Allez! On part à la poursuite d'Ast. Par ici, Serge. On arrive par la droite. Ouais, Hassan. Au bout du couloir. Hassan n'est plus au piège derrière ces portes. Cette pièce. Suivez-moi. Hassan est derrière ces portes. Fais passer une caméra à l'intérieur. Soap, regarde si Hassan est là. Il nous faut ses commandes. Je m'en occupe. Ça va. Allez-y, vous pouvez le faire. Soap, faut y aller. Watcher, Hassan a les commandes du missile. On part à sa recherche. Reçu. Le missile se dirige vers Washington. On n'a que peu de temps pour l'arrêter. On va y arriver. Après toi, sergent. Hassan est dans la dernière cabine. Saute pour l'atteindre. Hassan est en train d'arrêter. Cette cabine tiendra pas. Saute. Soap, quelle est ta situation? Je suis au milieu d'un chantier. J'ai récupéré les commandes, mais j'ai perdu mon arme. Reçu. Évite de te faire repérer. Je te mets en contact avec Watcher 1. Soap, le missile a été lancé, donc vous allez devoir le désactiver à distance. Ce sera une première pour moi. Je vous guiderai, mais ce sera long. Ouvrez les commandes quand vous serez prêt. Oh merde. C'est Washington, la cible. Ok, je suis prêt. Coordonnées 38, négatif 77. C'est le Pentagone. Il vise Shepard.
Non, j'ai peur des parties. Ouais, ben ça laisse quand même 30 000 victimes potentielles. Je vais régler ça. Sergent, vous devez d'abord activer le mode diagnostic. Appuyez simultanément sur supprimer et écharpe. En tant que soldat, il est de mon devoir de contre-attaquer. J'y suis. Prochaine étape, le forçage. Vous devriez voir 4 colonnes de données. Dites-moi ce qui est écrit ligne 2, colonne 3. Mettez-vous en sécurité et ouvrez les commandes. On n'a pas de temps à perdre. Ok, je peux reprendre. Deuxième ligne, troisième colonne. 6%. E. S. P. Excellent. Maintenant, appuyez sur gauche et supprimez pour lancer le forçage. Oh, forçage activé. Mettez-vous à l'abri. Cette étape va faire du bruit. Bon, je suis prêt. C'est parti. Dernière étape. Appuyez sur connexion quand le quatrième point vert s'allume. Il a explosé. Bien reçu. L'armée de l'air nous le confirmera. Merci. Pas de quoi. C'est un plaisir de travailler avec vous. Oui, Arsène. Il est pas tout seul. Il y a des soldats dans le Katala à occuper. Je vais tous les tuer. Ensuite, je m'occuperai de son cas. Terminé. Putain de bordel de merde. Bien joué, Johnny. Le plus dur reste à faire. Tu te fous, moi. C'était ça le plus dur. On verra bien. Je te rappelle que tu dois survivre, éliminer les gardes et tuer Hassan. Il me faut une arme. Fabrique-en une. Ouais. Comme au bon vieux temps. Pas vrai, lieutenant? C'est comme si c'était hier. C'était hier. Vous avez dit que votre nation paierait pour ce crime. Vous pensez pouvoir m'arrêter? Ghost. Soap. De la fenêtre. Nous n'attaquons pas. Nous envahissons. Parfait, lieutenant. Grâce à toi, sergent. À toutes les unités. Hassan est mort. Ennemi éliminé. Les autorités affirment que les vents violents seraient à l'origine d'une surtension qui aurait provoqué une explosion hier soir dans le centre de Chicago, plongeant des milliers d'habitants dans le noir. Le courant devrait être rétabli avant ce soir. Autre actualité... Des infos de la CIA. Création originale. Je le garde pour moi. Al-Qatala, l'Iran. Le cartel, les Russes. Shepherd, la Shadow. Ils nous ont échappé. Ils avaient de l'avance. À la lutte contre la terreur. Nouvelles de Shepherd. Disparu des radars. On finira par le trouver. On a de plus gros ennuis. J'ai fait quelques recherches sur les Russes. Ça, c'est jamais bon signe. Les ultranationalistes ont attaqué le convoi. Kate, c'est fini tout ça. Non. Loin de là.
Ils ont un nouvel allié. Qui ? On connaît pas son nom. Il n'est pas nouveau. C'est qui ? Makarov. Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть ремни. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Бёф, поле ou poisson, messieurs ? Une salade, s'il vous plaît.